Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter l'hôtel Wissam au Maroc, Marrakech, quartier Médina. Allez, c'est parti. Ici, on a l'accueil. Vous voyez qui est très ancienne. Je vous présente l'accueil qui rappelle les valeurs de Maroc. Vous voyez, l'hôtel est très ancien. Je vais vous présenter aussi la chambre, le type de chambre qu'il y a ici. Vous voyez à l'intérieur, ça rappelle le style marocain. Chambre double. Donc, pour ceux qui auront le privilège de venir ici au Maroc, il y a le côté très ancien ici qui rappelle bien le Maroc. Bien sûr, vous ne pouvez pas tout avoir, mais déjà c'est pas mal. Donc on va monter un petit peu dans les étages, on va aller voir plus haut. Il y a pas mal de tableaux pour rappeler le côté marocain. C'est des hôtels type ancien qu'on a ici. Hein. Donc vous voyez, c'est de la brique et non de la pierre. Donc je fais tout le tour et je vais vous amener sur la terrasse. Vous voyez, type de chambre toujours. D'accord, celle-ci n'est pas encore prête, mais vous pouvez venir à 4 personnes, vous voyez. Les chambres, elles sont adaptées. Donc nous avons eu le privilège d'être logés ici. Donc je vous fais part pour ceux qui veulent venir ici. Voilà, là on va monter sur le toit. Alors ici, on a le toit, immense, immense le toit. Vous avez vu, pour ceux qui aimeraient dîner sur la terrasse, il y a de la place, du bronzage. C'est parfait. Et d'ici, vous pouvez avoir vu de la rue. Vous avez la rue. Les amis, je vous conseille cet hôtel. Venez essayer. Je vais vous présenter la deuxième hôtel de l'enseigne qui est l'hôtel Sabil qui est ici tout près de la grande mosquée du centre-ville Médina que vous voyez en face. Donc je vais vous amener. L'entrée de l'hôtel, c'est ici, ça se fait ici. Donc je vais vous amener voir l'hôtel. Allez à gauche. Salam alaikum. Donc ici, l'entrée de l'hôtel Salsabil, c'est ici, vous voyez l'hôtel Salsabil, c'est la même enseigne. Même structure en briques. Allez, je vous amène. Donc on a
la réception ici. Ça va, quoi. Vous avez la réception. Donc toujours les carreaux qui rappellent le modèle très ancien. Donc les chambres, c'est la même chose que l'autre. Donc ici, il y a le côté bas, en bas. On va monter le côté haut. Vous voyez toujours les carreaux qui rappellent le côté marocain. Là, ici, la brique est très jolie. Les motifs qui rappellent le côté marocain. Donc ici, on joue un petit peu plus sur le côté très ancien du Maroc, hein, c'est pas les hôtels modernes que vous allez trouver au quartier Guédiz. Donc si c'est vraiment le côté ancien qu'on va rechercher. Donc là il y a les préparations de chambres. Les chambres, ça ressemble à peu près à ça, hein, ce côté très traditionnel. Ici, allez, les chaises, vous voyez, les toilettes, douche. Là, vous voyez, un tout pour les femmes aussi. Donc, c'est parfait, parfait. Donc, petite chambre d'hôte. Donc là, ici, on va monter toujours les étages et terrasse. Terrasse. Alors ici, on a deux terrasses. On a ce côté-ci, la terrasse. Là, on va faire un petit plongeon en bas. Et on a une table ici pour le petit déjeuner, tranquillement le matin. Donc pour un petit séjour, ça vaut le coup. Et la terrasse pour bien finir. Bien sûr, il y aura quelques inconvénients, mais je peux vous assurer que au niveau qualité-prix, ça va. Voilà. La terrasse en haut, ça donne ça. Et là, vous pouvez avoir une petite vue d'ici des autres bâtiments qu'on voit. Vue de l'autre terrasse aussi. Et ce côté-là, c'est les autres bâtiments et le minaret de la mosquée, tout simplement.